Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Vlogmas 2024. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me retrouver pour cette vidéo. Petite présentation pour le premier, moi c'est Audrey, je suis tricoteuse et créatrice de patrons de tricot. Et comme beaucoup de monde, comme depuis pas mal d'années, je vous retrouve pour des vlogs tout au long du mois de décembre. Donc ce sera des vlogs principalement axés sur les loisirs créatifs et mes projets, mais pas que. Voilà, je vous emmènerai un petit peu plus dans les coulisses aussi de mon travail. Et autres loisirs, blabla, cuisine, lecture, on verra un petit peu plus le quotidien. Dans ces vlogs, ce sera des vlogs hebdomadaires, donc c'est l'intention, on verra. Mais a priori, je vous retrouverai tous les dimanches du mois de décembre. Et vous voyez déjà que je triche, parce que je voulais pouvoir vous faire cette vidéo le 1er décembre pour un petit peu fêter le début du dernier mois de l'année. Et donc, je commence à filmer un petit peu en avance. Je me suis un peu arrangée de sorte à filmer du vendredi au vendredi, pour pas avoir à faire le montage le week-end. Et voilà, on verra si ça se goupille bien. L'idée, c'était aussi de me libérer un peu la période entre Noël et le Nouvel An, où on reçoit de la famille et je voudrais profiter de mes invités et pas faire du montage. Normalement, ça tombe bien si je me tiens à faire mon montage le vendredi. Mais voilà, passionnant, passionnant de section technique. Mais voilà, je mets des descriptions sous les vidéos assez détaillées. Donc si vous cherchez des projets, peut-être que je vais oublier de parler d'un truc précisément, de donner le nom d'un coloris, etc. Je vous mets tout dans la description. Je mets aussi, je note aussi ce que je porte quand je fais le montage. Je regarde ce que j'ai porté et je vous mets les liens en description. Ici, il s'agit d'un de mes modèles, le pull d'Ariane, qui est un pull qui a un peu multi-options. C'est un pull sans manche, c'est un pull avec manche, c'est un pull col V, c'est un pull col rond, c'est un pull qui peut se faire avec cette texture ici relativement simple, qui fait des lignes verticales, et on peut aussi mettre des nopes. Voilà, c'est un pull que j'ai tricoté en fingering de wool bag, c'est du merino super wash, c'est une base à chaussettes, donc c'est un pull qui est... Oui, non, c'est pas le podcast de la le podcast ou le vlog de la diction ici. De la j'arrête tout de suite. C'est un pull assez fin. Qui fait que c'est pas mal à porter comme aujourd'hui. Il fait très très beau aujourd'hui, il y a du vent. Donc si vous entendez mes volets grincer certains clips, c'est pour ça. Mais voilà. Donc je vous laisse avec oui. Tu veux dire bonjour toi aussi ? Dire bonjour. Bonjour. Voilà. Programme de ce week-end. Donc on est le 24. Par là. Fin novembre. Demain, on va manger chez mes parents. Donc il faut que je suis de mission dessert. Donc c'est programme muffin cet après-midi. Et tricot et câlinage avec monsieur. Thank you.
J'ai reçu un colis très gentiment. Une nouvelle teinturière, une nouvelle artisane m'a proposé de m'envoyer ce qu'elle fait pour me faire découvrir et éventuellement vous partager. Vous l'avez peut-être déjà vu, certainement déjà vu chez d'autres podcasteurs. C'est la marque Yggdrasil. Déjà, le même nom. Et donc elle fait pas mal de choses, elle fait pas que, elle teint de la laine mais pas que, elle fait également notamment des bougies. Et je vous mettrai des, je filmerai après parce que là bon c'est pas possible, hein. Je vais vous faire des enserts pour vous montrer les choses. Ça c'est la bougie, alors ça s'appelle adoucissant et effectivement ça sent exactement l'adoucissant, pas, ça sent frais en fait, pas chimique. Et ce sont des bougies à la cire de soja. Alors moi je suis très 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 bougie, parfum d'intérieur, parfum tout court, mais Marius a beaucoup de mal avec les odeurs, ça, voilà, ça lui crée, il suffoque en fait, et il a très vite des nausées, il a une anxiété par rapport aux odeurs, bon bref c'est un truc, et donc on a très peu de, je porte quasiment jamais de parfum et tout ça parce que j'ai pas envie de l'étouffer tout simplement, et donc je vais lui faire sentir. Parce que moi j'aime beaucoup et ça pourrait peut-être, je pense que c'est suffisamment frais, ça pourrait peut-être passer si jamais ça lui va, je pense. Ça fait très odeur de salle de bain, je me. Et sinon je pense que ma mère aimerait beaucoup aussi. Et c'est très joli avec le bleu qui est très vif. Elle fait aussi des marqueurs et contrants. Et donc là, c'est un contrant. Vous savez, c'est les contrants que vous mettez sur votre aiguille et vous passez votre aiguille et, en comptant le nombre de d'anneaux que vous avez passés à partir d'un des deux objets. Vous comptez les répétitions, vous comptez les dizaines. Moi, souvent, j'utilise... Moi, les contrants que j'utilise, moi, c'est des comptes personnes. Vous savez, les trucs qu'on a dans les boutiques ou dans les événements pour compter les personnes. Mais quand j'ai deux trucs à compter en même temps... Par exemple, je sais pas, je fais un pull et j'ai des augmentations ou des diminutions et en même temps des rangs de motifs à compter. J'aime pas trop utiliser deux de ces cliqueurs là parce que ils se ressemblent et je sais plus lequel est lequel. Donc j'utilise parfois, j'en ai un de chez Apolloni. Donc et là je suis contente parce que je le trouve très 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 joli. C'est une pierre d'opale, elle est très jolie, transparente. Je trouve la pierre vraiment très très jolie. Donc bonjour sur le compte. Je suis contente. Et la laine. Elle m'a très gentiment envoyé deux kits. Donc elle fait pas mal de kits comme ça avec des minis. Celui-ci c'est Aurore Boréale. Donc je crois que c'est 50 et 20 grammes. C'est de la 85-15 qu'elle m'a envoyé, Merino Superwash et Nylon. Je la trouve un peu dufteuse par rapport à ce dont j'ai l'habitude. C'est très doux évidemment. Et voilà. Comme ça, dans les cheveux, les couleurs... j'aime particulièrement quand les pigments se sont défaits un petit peu à la peinture, et à la teinture en fait, en chauffant. Et on voit des traces en fait que les pigments se sont un peu cassés. Donc vous avez des zones où les coloris sont plus francs et des zones où les coloris se délitent un petit peu. Ça marche particulièrement bien avec le violet qui devient souvent un peu bleu, un peu rose, un peu machin. Et celui-ci, ça fonctionne très très bien, ça se mélange vraiment bien, c'est très joli. Le vert aussi est très sympa, des nuances un peu plus franches. Et je lui avais dit que j'aimais beaucoup son coloris Gingerbread. Et donc ça, c'est le kit Gingerbread Green. Avec donc, un joli neutre marron très automnal. Ça, c'est pour le lip lot. Si jamais. Je trouve très très joli. Je vous ai dit qu'en ce moment j'étais un petit peu accessoire, j'ai envie de me faire des bonnets, des cols, des choses comme ça. Et ça je me dis peut-être un bonnet, c'est peut-être un peu trop clair pour être sur ma tête. Ou pas. En fait c'est peut-être un peu trop ma couleur de cheveux, ma couleur d'yeux. Voilà, si j'aime bien les marrons mais il faudrait que ce soit plus foncé que ça. Ou au contraire que ce soit de l'écru ou quelque chose de clair. Mais là c'est un peu trop peut-être une couleur moyenne. Mais je le trouve très 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 joli. Je sais pas si j'en ferai des chaussettes parce que je le trouve vraiment, vraiment chouette. Peut-être un accessoire, un col. Et donc il y a deux petits mini. Un vert et un... donc ça fait maison de pain d'épices. Hein, et un blanc à speckles. Que pour le coup, le blanc à speckles, je le trouve très très beau aussi. Je sais pas si elle le fait en grand écheveau, mais ça ferait un très joli...
Les gens qui aiment bien porter des pulls avec des coloris un petit peu minimalistes, avec des speckles, je trouve que ça ferait un effet très sympa. Voilà. Donc, elle m'a gentiment donné un code promo que je vous écris quelque part ici, qui vous donne moins... C'est merci Audrey, mais il y a plein de E et je ne sais plus exactement combien. Donc je vous l'écris ici et je vous le remets dans la description en bas, qui donne moins 20% sur sa boutique. Donc si jamais vous voulez regarder ce qu'elle fait et découvrir une nouvelle teinturière, je mettrai peut-être le gingerbread sur mes aiguilles bientôt, si vous avez des idées de... Je sais pas, si ça vous inspire quelque chose, dites-moi. Je le trouve très très chouette. Voilà, donc merci énormément à Yggdrasil pour m'avoir envoyé ces cadeaux. Et je vais aller voir ma panthère qui râle derrière la porte. Dimanche, le 24, c'était pas hier. Je fais une petite entorse à mon programme habituel qui est de tricoter sur mes couvertures le dimanche parce que j'aimerais finir le corps de ce projet. Donc c'est la veste Halmany qui est un modèle que je teste pour Maya, la créatrice derrière le podcast et les comptes Millarism Things. Parce qu'en fait, mine de rien, la fin du test, c'est mi-décembre. Et donc, je voudrais avancer. Parce que c'est un gros projet qui se fait sur des grosses aiguilles. Moi, j'utilise des aiguilles 5.5 mm pour avoir le bon échantillon. Ça se tricote en bulky, grossarant. Mais en fait, moi, j'ai peu l'habitude des grosses aiguilles. Et il y a des manipulations avec les torsades, etc. Donc, je peux pas non plus tricoter très vite sans me faire mal aux mains. Donc, ça avance vite, mais... pas trop non plus. J'ai fini ce matin les côtes du bas. Alors j'ai pas fait le rabat. Elle préconise un rabat, vous savez, un de ces rabats tubulaires, cousus, à l'italienne, etc. Mais j'ai essayé, ok. Mais j'aime vraiment pas, je sais pas. Donc vous savez, c'est des rabats, en fait, là par exemple sur la poche, la finition de la poche que vous voyez ici, voilà, comme ça, ça c'est du jersey double, donc là je vais faire un rabat à l'italienne parce que c'est du jersey, et donc le jersey, oui, mon assistant arrive, tout à fait, et donc le jersey, que ça se replie, d'accord, mais sur des côtes, j'aime vraiment pas l'aspect des rabats comme ça, remaillés en fait. Oui, je l'ai dit une fois dans un podcast, on m'a demandé de plus de précision. En fait, les rabats tubulaires à l'italienne, non pas tes fesses à la caméra, le rabat tubulaire à l'italienne, etc., c'est comme du remaillage ou du grafting, ou kitchener stitch si vous voulez utiliser le terme, consiste à assembler deux parties ensemble. Quand vous faites sur une pointe de chaussette, par exemple, du remaillage, ou vous finissez un col tube en jersey, vous assemblez deux parties comme ça en ayant les mailles réparties sur deux aiguilles face à face. Oui. Et en fait, quand vous faites un rabat tubulaire à l'italienne, machin, c'est la même chose, sauf que au lieu d'avoir vos mailles réparties sur deux aiguilles face à face, elles sont sur la même aiguille, comme ça, imbriquées. Une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. Ou deux mailles en droit, deux mailles en vert, ça marche aussi. Et donc c'est pour ça que parfois, certains rabats tubulaires, ou à l'italienne, vous font répartir les mailles sur deux aiguilles différentes avant de faire la manipulation. Et de la même façon, vous pouvez techniquement
faire un grafting, un remaillage, en aussi vous amusant, si vous souhaitez, à remettre toutes les mailles sur l'aiguille, sur la même aiguille. Oui. Bref. Donc c'est la même technique. Ça ne me dérange pas de faire cette technique pour faire une pointe de chaussette, pour fermer un tube en jersey, etc. Mais pour finir des côtes, je trouve que la manipulation, pour moi, vaut vraiment pas le coup. Je trouve pas ça très joli, en fait. Hein. Vous avez deux façons de faire. Soit vous faites des rangs de préparation qui recréent un peu un tube en jersey double, d'accord ? Mais je trouve que avoir les côtes puis la fin en fait en jersey double pour faire ce rabat grafté. Je fais des biscuits. Pour faire ça fait un bourrelet en fait, je trouve pas ça joli. Et donc il y a là. Il y a la possibilité de pas faire les rangs de préparation et de directement faire la manipulation, etc. Et je trouve que ça, c'est pas très propre, en fait. Du coup, ça fait pas le côté replié. Donc, voilà. J'aime pas le boudin, j'aime pas l'irrégularité sans avoir le boudin. Donc, zut. Moi, je fais vraiment... j'ai essayé, hein, j'ai commencé à faire mon rabat, j'ai fait ça. Je trouvais ça pas beau du tout. En plus, avec ce fil, donc c'est la Cyrano de Derrière Natura qui est cardée. Et c'est trop mignon. Et c'est un fil qui a une certaine irrégularité. Vous voyez dans mes torsades, en plus, moi, j'ai une tension qui n'est pas terrible. Donc, avant blocage, vous voyez que mes torsades sont un petit peu irrégulières, etc. C'est le charme de ce fil aussi. Mais sur un rabat... J'aime pas. Donc, moi, je fais le rabat, vraiment, tout le temps, je fais le rabat de base. Je tricote les mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, et je les fais passer les unes par-dessus les autres. Pour que ce soit assez souple, je prends une aiguille supérieure. Là, j'avais fait mes côtes en 4.5, et donc j'ai fait mon rabat en 5 mm. Et c'est très bien. Et visuellement, ça me convient. Voilà. Mais... Je vais faire le truc à l'italienne pour les poches, puisque c'est du jersey double. Je pense que le col aussi, c'est du jersey double. Bref, voilà. Pour les petits pamphlets sur les rabats tubulaires, etc. Donc, il me reste à à faire donc les finitions des deux poches. L'autre est là, il faut que je la fasse aussi. À coudre le fond de poche. Vous voyez, j'ai le fond de poche que j'ai tricoté à l'intérieur. Il faut que je le couse ici sur l'envers. Alors ça va me demander un petit peu de minutie parce que c'est un gros fil. Et donc, si je couds, j'ai peur que ça se voit sur l'endroit. Il va falloir que je vérifie que je ne fais pas n'importe quoi sur l'endroit en cousant mon fond de poche sur l'intérieur. C'est la première fois que je fais des poches comme ça. Je trouve le truc très ingénieux. J'aime beaucoup. Les poches que moi j'ai l'habitude de faire, c'est des poches en fait on coud, hein. On tricote un carré et vous le cousez après, hop, collé sur l'endroit. Et là la couture me dérange pas tellement parce que ben vous cousez en fait sous la poche et ça va pas trop se voir. Alors que là le fait de devoir coudre le fond de poche sur l'intérieur et donc ben la couture va un peu risque un peu de se voir autour là sur l'endroit. Donc il va falloir que je fasse attention. Je pense éventuellement diviser les brins de mon fil. Parce que la Cyrano, il y a 8 brins, je crois. Et je pense, si je divise en deux, pour avoir un fil plus fin pour coudre, peut-être. Je vais voir ce que ça donne. Après, il faut aussi que ce soit une couture solide. Donc peut-être pas la meilleure idée. Et ensuite, donc je vais faire les poches et j'aimerais ensuite relever les mailles autour du col, qui est un col aussi en jersey double. Et comme ça, il me restera juste à faire les manches, peut-être le week-end prochain. Je l'ai essayé, je suis très 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 contente. Ça va se détendre un petit peu. C'est pas une veste qui a énormément d'aisance positive. Enfin, moi j'ai pris la bonne taille pour moi, mais vous pouvez prendre 10 tailles au-dessus si ça vous amuse. Moi, je devrais avoir entre 10 et 15 cm d'aisance positive, je crois. Et ça m'a l'air tout bon. Mais j'espère que ça va se détendre un petit peu
au blocage quand même, parce que j'aimerais bien avoir un effet un peu bombers. Et voilà, pour mon petit projet du dimanche. Ça c'est... Hein, si on me laisse. On s'inquiète pour rien. Hein. J'ai juste cousu avec toute ma minutie et mon application habituelle pour ce genre de finition, c'est-à-dire zéro. Et j'ai juste pris le fil, j'ai tenté avec le fil entier, bien épais, et ben ma foi, on voit qu'il y a la double épaisseur de la poche, mais ça n'a pas du tout cassé mes torsades, et je suis très très contente de cette finition. Lundi, au boulot, puisque voilà, c'est l'enfer. Je suis en train de traduire en français un patron, puisque j'écris les notes et j'écris d'abord le patron en anglais, et après je le traduis en français. Et je fais une petite pause parce que c'est pas un patron particulièrement difficile, c'est le patron du pull pony, dont je vais vous parler tout de suite. Et les par exemple, les motifs sont assez petits, donc quand je fais le rang par rang des instructions, des diagrammes, il n'y a pas 1000 rangs, donc ça va. C'est juste que j'ai pas très bien dormi et donc j'ai un peu de mal à mes yeux sur l'écran. Voilà. Donc j'essaie de pas trop me fatiguer. Voudrais cette semaine terminer deux prototypes. J'ai deux prototypes en cours en ce moment. Et donc le premier c'est le pull pony que je vous avais montré dans le podcast précédent qui est paru mi-novembre. Et j'ai été interrompue puisque il n'y a plus de laine. Je le tricote en laine teinte main, la laine de Wooliette. C'est sa base Deka, Cybelle Deka, du Merino Superwash Deka, dans ce très joli coloris vert Deka. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi un fil récalcitrant. Dans ce très joli coloris verdé. Et je vous disais que je n'avais que 5 échevaux et que je galérais un petit peu avec ma quantité de fil. Je vous disais, c'est un peu juste. C'est pas un peu juste. Ok, c'est juste pas assez, en fait. Donc j'ai laissé tomber, j'ai recommandé un écheveau. Donc j'attendais de le recevoir pour finir. En fait, j'aurais même pas pu faire les deux manches et finir les côtes du bas du corps comme je le voulais. Et il n'était pas question que je raccourcisse le corps, puisqu'il était déjà un petit peu plus court que ce que j'aurais aimé. Donc voilà, tant pis, j'ai racheté un écheveau. J'étais un peu récalcitrante en fait, parce que bah, comme c'est un verre qui est... bon là, on voit rien parce que voilà, c'est la nuit. C'est un verre qui est très beau, qui est très nuancé. Et donc bah, le compromis qu'il faut faire avec ça, c'est qu'il faut vraiment bien alterner de manière consciencieuse les écheveaux. Sur le corps, j'avais tout le temps 3 écheveaux en même temps. Et vous voyez là, par exemple, sur la manche,
j'ai fait une transition en fait, c'est-à-dire que tout ça, là, c'est en rayures avec deux écheveaux, et ensuite après, je suis restée sur un seul écheveau, et vous voyez, ça se voit un petit peu, en vrai, pas trop, en fait, quasiment pas en vrai, donc ça me va. Donc c'est pour ça que j'hésitais un petit peu, si je rachète un nouvel écheveau longtemps après, est-ce que j'ai pas un petit peu galéré. Je l'ai reçu, je viens juste de le recevoir, donc il est là. Je croise les doigts pour qu'ils se fondent bien. Donc il faut que je finisse donc cette manche. J'ai deux écheveaux déjà accrochés, donc je vais alterner. J'espère qu'il va bien se fondre, parce que sinon, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je défasse la première manche et que je refasse les deux manches en intégrant mon écheveau supplémentaire. Mais donc idéalement, je peux finir cette manche aujourd'hui et mettre mon pull à bloquer pour qu'il sèche, si possible. puisque j'aimerais lancer un appel au test en fin de semaine. Donc quand vous voyez cette vidéo, l'appel au test est déjà lancé. Si jamais vous voulez le recevoir, vous m'envoyez votre adresse email et je vous le transférerai. Mais voilà. Oups. Donc si jamais c'est pas possible, eh bien je décalerai tout d'une semaine. C'est pas grave. Mais voilà, je vais faire ça avant de continuer ma traduction. Et le deuxième prototype que j'ai en cours cette semaine, c'est mon écharpe Halda. Donc ça, c'est un modèle qui va bientôt sortir, en fait, qui va sortir là mi-décembre. Et je l'avais mis en pause pour pouvoir tricoter le pull. Et donc c'est un patron qui va être deux en un. Voilà, vous avez une version tour de cou comme ceci et une version écharpe. Des instructions pour le faire en fingering et des instructions pour le faire en DK. Et elle est presque finie. J'aime énormément, je suis super contente. Elle est presque finie, il me reste je crois 20 rangs de jacquard et ensuite ben, les côtes ici. Mais je pense pas la reprendre aujourd'hui, je verrai parce que je pense pas avoir le temps de finir la manche du pull, de faire tout le travail administratif que j'ai à faire et de reprendre l'écharpe, mais qui sait. Qui sait. Donc voilà, je bobine ça, croisez les doigts pour moi. Pour que ça se fonde plutôt bien. Ça va être un peu galère à voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais je vais bien faire attention et monitorer. Ce n'est pas un mot. Si, c'est un mot en français, monitorer. Oui, Karine de la Miss Knitter quand on en a besoin. C'est un mot. Ouais, ok, non. Quand il y a écrit néologisme, tout de suite, bon. Oui. Hein? Bon. Surveillez, tout simplement. Surveillez ce que ça donne. Je dois refaire les deux manches. Pas grave. Donc ça c'est la manche. Voilà, j'étais là ce matin. Donc j'ai avancé en introduisant mon nouvel écheveau. C'est marrant, on voit des lignes qui, pour le coup, en vrai, se voient vraiment pas du tout. Et à peu près arrivé à cet endroit-là, j'avais fini les deux écheveaux qui me restaient et je commençais à faire que le nouvel écheveau et on voyait... le nouvel écheveau que j'ai acheté est pas forcément particulièrement différent des cinq premiers que j'avais. Il y a une vraie constance dans le coloris, mais c'est juste que le fait d'alterner tout le temps, puis de passer à juste un écheveau, bah ça se voit. Et donc, bah, c'est pas possible. Donc, j'ai défait quasiment toute ma première manche. Il faut encore que j'arrive. Je vais arriver, je vais encore défaire jusque-là à peu près. Et donc, j'ai fini ce qui était techniquement ma deuxième manche. Et maintenant, bah, je vais refaire la première. Ce que j'avais complètement oublié de vous dire, en plus, c'est que... et en fait, j'avais dit sur Instagram, mais je pense que je ne vous l'ai pas dit sur YouTube. J'avais commencé le pull en faisant tout le devant. Avec un seul écheveau. Avant de me rendre compte que, ah mince, faut que j'alterne. Et donc, j'ai fait le devant, le haut du devant deux fois.
J'avais fait cette première manche déjà. Je l'ai recommencé, j'avais bien avancé, puis j'ai recommencé bien deux, trois fois parce que j'essayais d'ajuster mon rythme d'augmentation pour avoir la coupe que. De diminution pour avoir la coupe que je voulais. Donc c'est vraiment le pull qui a été fait. qui a été fait 56 fois. Heureusement que c'est de la déca. Voilà, donc je suis globalement plutôt contente parce que mon nouvel écheveau se fond bien dedans. Et une fois que j'aurai la deuxième manche qui va beaucoup ressembler à l'autre, eh bien, ça fonctionnera très très bien. Je l'aurai certainement pas fini aujourd'hui, du coup il est déjà genre 16h. Bon, ça fait que j'aurai 2 jours et demi de séchage si je veux faire la pelletteuse vendredi. Sinon c'est pas grave, la pelletteuse partira peut-être samedi. Oui, c'est honteux, c'est ça. Un scandale, démissionne. Horrible. Au bûcher, la designeuse, quelle honte. Donc, ah oui, je me suis changée parce que je voulais faire des photos de mon gilet palmier. Bon. Je sais. Alors, donc mon gilet palmier que j'ai terminé et qui est sec et j'ai pris des photos. C'est pour ça que je me suis changée. Je m'ai mis un jean, attention. Voilà. C'est un de mes modèles que j'avais fait il y a quelques années. Et j'avais pas de version à moi puisque j'avais donné le prototype à ma mère puisqu'il lui allait très bien. Elle l'a mis en machine. C'était un gilet en mohair et donc il n'est plus. mais du coup ça m'a remotivée à m'en refaire un pour moi. Et alors, mon nom. Je reviens tout de suite. Non mais voilà, non mais parce qu'il est mignon, mais voilà ce qui se passe après là. Il m'a pas encore cassé de. Parfois, il tire des mailles avec ses griffes. Il m'a pas, m'a rien cassé pour l'instant. Je ne t'accuse pas. Je fais juste un constat sur la réalité. Donc, c'est un gilet qui a une construction un petit peu particulière, mais qui est vraiment très très simple. Voilà, c'est le. C'est un peu le degré zéro de la construction. Vous commencez par faire. Le panneau de dentelle que vous voyez dans le dos. Et ensuite, le panneau se sépare sur la nuque et on continue à le faire sur les demi-devants. Donc, on fait juste la bande de dentelle. On la fait de la longueur qu'on veut. Donc, si vous voulez, moi je l'ai fait, cette version-ci, je l'ai fait assez crop pour pouvoir la porter sur mes pantalons taille haute et éventuellement sur des robes. Parce que j'ai des robes dans des coloris un peu beige qui, je pense, à des souhaits, qui, je pense, iraient bien. Avec. Ensuite, bah, on relève les mailles en fait, et c'est le truc, c'est il faut aimer relever les mailles. Bon, c'est pas non plus énorme, faut relever les mailles en fait tout le long ici jusqu'en bas. Finalement, ça fait pas plus de tricot que si on tricotait le corps du gilet à plat. Ça revient à peu près pareil, sauf si vraiment vous faites un gilet qui vous arrive par terre sur les pieds, mais ça vous fait pas beaucoup plus de mailles que. Si vous tricotez un gilet normal, en fait, une fois que vous avez les demi-devants et le dos ensemble. Et on tricote en jersey dans ce sens-là. On fait un petit peu de rang raccourci ici pour bomber l'épaule. On tricote en jersey à plat. En bas, vous avez les côtes. Voilà. Une fois qu'on a atteint la mesure qui est donnée pour en fait sa circonférence, vous faites un rabat à trois aiguilles, c'est pas de couture, il n'y a pas de couture. Vous faites un rabat à trois aiguilles sur bah, ce qui sera les mailles du corps, hop. Et là, vous aviez classé des marqueurs avant. Et donc vous vous arrêtez là et ensuite il vous reste juste les mailles de la manche que vous tricotez en rond, normalement. Voilà. Et on finit par des côtes, c'est des côtes de deux. Voilà, donc c'est une construction en biais, mais qui est tout à fait, qui est très ajustable en fait, puisque le patron ne vous donne même pas de nombre de mailles. Le seul nombre de mailles que le patron vous indique, c'est
à relever, c'est au niveau de l'emmanchure pour que la taille de votre tour de bras et la hauteur d'emmanchure soient la bonne par rapport à votre taille que vous avez choisie. Mais en dessous, là, peu importe le nombre de mailles que vous relevez. Donc c'est souvent un peu le problème des constructions en biais, c'est qu'on est très restreint en longueur et où on est très dépendant de notre échantillon en rang, parce que bah, vu qu'on est dans ce sens-là, c'est l'échantillon en rang qui va déterminer la hauteur. Là, en fait, peu importe. vous pouvez même utiliser un fil d'épaisseur complètement différente, faire un échantillon complètement différent. Juste, voilà, faites attention au niveau de la manche, d'avoir quelque chose qui correspond à peu près au tour de bras que vous voulez, mais c'est très 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 adaptable. La dentelle, elle se fait un petit peu sur l'envers, sur quelques rangs, mais c'est très intuitif. Et voilà, vous avez des photos, étape par étape, dans le patron. Voilà. Et donc, cette version que je me suis retricotée, je l'ai faite en... C'est un modèle qui se tricote en sport. Et je l'ai tricotée en Merino Sport de Long Dog Yarn, qui est une teinturière américaine. Elle avait fait une collection basée sur la série Our Flag Means Death, qui est une série avec Taika Waititi et... Et j'ai oublié son nom. Bref, entre autres. Et c'est une série que j'adore. Une série absurde, très très drôle. Moi j'aime beaucoup. Et elle avait fait une collection de coloris inspirés par cette série. Et donc celui-ci, c'est le coloris Another Nose for the Nose Jar. Et je suis ravie du résultat. Il m'en reste pas mal et je me ferai bien un bonnet avec. Mais voilà, donc... Très très contente de mon gilet palmière. Je vais finir de traduire le patron, parce que du coup en faisant ma manche, j'ai pas continué ma traduction. Je sais pas pourquoi je suis italienne soudainement. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Et on se dit... Allez, croise les doigts, il va faire beau et mon pull séchera super rapidement. Mercredi, j'ai terminé hier ce qui était mon tricot télé du soir, tricot lecture du matin. Ah, c'est petit rituel. C'était une paire de chaussettes auto-rayantes, donc j'ai utilisé un écheveau du bruit des aiguilles, coloris moineau, qui était, je pense, un coloris mystère de Noël de l'année dernière, je crois. C'était un coffret surprise. Il y avait deux palettes de couleurs et j'avais choisi celle-ci. Et il y avait un mini contrastant, mais je ne l'ai pas utilisé. Et c'est une chaussette que je vais offrir à Marius. J'ai fait des côtes de deux, tricoté des côtes, enfin de la cheville vers la pointe. J'ai fait des côtes de deux, donc sur toute la jambe et ensuite sur le dessus du pied et la semelle en jersey. Ce qui est gênant quand on fait ça, c'est que il faut que je fixe dès le départ la position du talon. J'ai fait un talon après coup et j'ai pas pu juste faire tout un tube et ensuite mettre le talon, parce que j'avais déjà déterminé
un moment où j'ai arrêté les côtes sur l'arrière de la jambe et que je suis passée en jersey, que le talon serait là. Donc j'ai fait le talon après coup, mais pas tout à fait après coup, parce que il a quand même fallu que je le fasse avant de finir le pied pour avoir la bonne longueur de pied. Donc ce sera des chaussettes que je vais offrir à Marie, elles ne sont pas encore tout à fait sèches. Et voilà. C'est pas spécialement un cadeau de Noël, enfin, je voulais lui offrir là. Disons que c'est un cadeau de l'Avent. Et j'ai commencé deux autres projets du coup. Zéro cerveau. Le premier, c'est donc la troisième écharpe, petite écharpe que je fais en cadeau de Noël. Donc j'en ai déjà fait deux, je vous les ai montrées aussi dans le dernier podcast. Voilà, donc évidemment, ambiance Sophie Scarf. J'utilise, je vous en avais parlé, la cachemire classique de Cardiff Cachemire. Et toujours pas ultra convaincue. C'est très doux. Mais force est de constater que pour moi, en tout cas, la douceur n'est pas le critère de qualité. Voilà, je trouve juste ça un peu mou, un peu. Voilà, c'est pas vraiment le type de fil que j'aime particulièrement travailler, mais ça fonctionne très bien pour ce projet. En espérant que je n'ai pas beaucoup de nœuds dans une pelote, comme ça a été le cas sur le marron. C'est le coloris 649 qui est une très très belle couleur, ça, d'accord. C'est un bleu, c'est moins vif que ce que vous voyez, c'est vraiment plus sombre bleu noir. Je trouve ce coloris très très joli. Et voilà, j'ai commencé. Là, je suis arrivée à la largeur totale que je veux, et donc je vais juste hop hop tricoter jusqu'à la longueur voulue moins ça, et ensuite je rediminuerai pour faire l'autre pointe. Voilà, c'est en fait, voilà, c'est un fil qui est particulièrement mou, et du coup, moi j'aime moins tricoter ce genre de fil. Peut-être faudrait-il que j'utilise des aiguilles en bois, sauf que je déteste ça. Et moi je tricote avec des aiguilles en métal, et en fait, j'ai lu en tricotant ce matin, et en fait j'ai un peu de mal à pas perdre mes aiguilles, à pas dédoubler le fil parce que c'est trop mou. Et il n'y a pas. J'ai pas la même sensation que moi quand je lis ou quand je regarde la télé en tricotant. Vous savez, vous sentez un peu les mailles. Mais là, en fait, c'est tellement. Ça manque un peu de substance pour ma préférence de tricot. Voilà, donc c'est un des. Une des conséquences du fait que ce soit un fil un peu mou, c'est que bah, c'est plus difficile pour moi de tricoter sans regarder que ah, j'ai bien attrapé la maille, etc. Bref. Mais voilà, je pinaille à cause du prix. En vérité, c'est pas un mauvais fil, c'est juste voilà, pas. C'est pas ma préférence. Et pour moi, je trouve que j'aimerais autant tricoter du Puriac ou. Ou comment il s'appelle ce mouton de Mongolie qui est vraiment d'une douceur le Sartoul, je crois, qui est vraiment. J'avais tricoté une fois de la marque Nomadnous. Je ne sais pas si cette marque existe toujours, mais c'était ridicule la douceur du truc, quoi. Et j'ai monté un autre projet, ce sera mes chaussettes de l'Avent, en fait. Alors. J'ai commandé un écheveau calendrier en quelque sorte de l'Avent de Nicole C. Mendez. Donc, c'est une teinturière allemande qui fait des autorayons. Et elle fait, je pense que ça fait plusieurs années qu'elle le fait, elle fait des écheveaux pour l'Avent où il y a 24 rayures. Et donc, ce sont des coloris mystères et je trouve le principe trop trop chouette. Moi, je suis très calendrier. De l'avant. Hein. Ma mère hier m'a offert un calendrier Kinder Bueno que je vais partager avec Marius. J'ai un calendrier thé, etc. Et j'aime énormément beaucoup les calendriers, évidemment les calendriers, énormément beaucoup. Voilà. J'aime énormément les calendriers de laine, évidemment. Mais en fait, c'est pas que ce soit rapport à l'avant et Noël, hein, c'est le fait de séquencer et d'avoir. C'est le côté surprise que j'aime beaucoup, et c'est le fait de séquencer en petits bouts. Et en fait, c'est pas forcément
dépendant du coup d'une quantité. Voilà, l'objet de base qui sert de calendrier n'a pas besoin d'être un truc énorme, c'est pas une quantité monstrueuse, etc. Et donc ce genre de truc, voilà, c'est un échafaud, mais il y a quand même ce plaisir. Et je trouve ça trop chouette. Et cette année, j'ai vu pas mal de différents formats de coffrets surprises, de coffrets de l'avant, etc. dans le monde de la laine. Et je trouve ça trop bien parce que ça permet d'avoir des choses déjà différentes utilisations. Parce que c'est vrai que les 24 mini, encore une fois, moi, ça fonctionne. Mais c'est une utilisation qui est très particulière. C'est un budget qui est en accord avec le boulot que ça représente de faire 24 mini. Mais je suis super contente de voir plus de marques de laine et de teinturiers proposer d'autres formats de calendriers, des choses comme des calendriers week-end où c'est des échevaux pleins, j'ai vu des demi-échevaux, j'ai vu juste des coffrets surprises où on peut choisir la quantité, j'ai vu, c'est genre on choisit un écheveau, deux écheveaux, on fait ce qu'on veut, quoi. Et donc là c'est un peu le même principe, donc c'était un écheveau à chaussettes, c'était juste un tout petit peu plus cher que ces écheveaux d'autorayon classique, c'était une trentaine d'euros en fait. Donc ça reste un écheveau de luxe de chaussettes, hein, d'accord, pour faire des chaussettes. Mais voilà, pour un autorayant, c'était pas un prix exorbitant, et donc je trouve ce principe trop chouette. Donc je me suis commandé cette année, et sauf que c'est un coloris mystère, il est dedans là. Et on pouvait acheter un mini associé. Moi j'ai pas pris le mini parce que la flemme, je me suis dit j'ai suffisamment de laine. Surtout de la chaussette, je vais bien avoir de quoi faire avec. Sauf que j'avais pas bien réfléchi. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est, en fait, voilà, tout au long de l'avant, je vais tricoter une des rayures. En fait, il y a les 24 rayures, etc. Et donc, tous les jours, je vais essayer de faire une rayure. Et je vais faire les deux chaussettes en même temps. Et du coup, je voulais préparer pour être prête à commencer à tricoter dimanche 1er, la première rayure. Bon, il va falloir que je bobine les chevaux, donc je vais me divulgâcher le coloris, mais je voulais pas le voir maintenant avant le 1er décembre. Et je ne savais pas du coup quel coloris prendre pour faire mes contrastants. Donc j'ai demandé à Marius, en fait, j'ai dit à Marius, tu prends ça, tu regardes la couleur, et je lui ai dit donné plusieurs pelotes que j'avais d'Arweta. Juste des pelotes esselées ou des restes, et ça c'est le même coloris avec lequel je tricote mon prototype de mon écharpe en jacquard que je tricote en ce moment. C'est le 957 je crois, et je lui ai dit tu choisis le coloris que tu trouves irait le mieux. Je lui ai expliqué le principe des chaussettes, etc., et je l'ai laissé choisir le coloris, et donc il a choisi ce gris clair. Donc si c'est moche, eh bien on pourra tous collectivement lui dire qu'il est nul. Mais voilà, j'aimerais d'ici vendredi, voilà, j'ai fait juste ça ce matin, faire les deux côtes. J'en ai déjà fait une. Les côtes. Voilà, j'ai fait des côtes de deux. Et comme ça, je serai prête dimanche pour commencer à faire les chevaux autorayon. Et je me serai pas gâché la surprise avant le 1er. Après, je veux pas voir le truc avant. Voilà, pour mes petits projets de télé, tricot, lecture, machin, bidule. En ce moment, j'ai commencé à lire Normal People de Sally Rooney. En français, le titre, c'est aussi Normal People, je crois. Changeons d'accent. C'est une autrice irlandaise. Et alors, je sais, peut-être... une des rares personnes qui lit beaucoup et qui n'a pas encore lu Sally Rooney. Mais parce qu'en fait, quand ce roman est sorti, et depuis, en fait, elle est vraiment érigée. J'ai entendu beaucoup, pas tellement en France, mais c'est vrai qu'à l'international, elle est vraiment érigée. C'est le monument de la littérature moderne. J'ai entendu beaucoup, beaucoup de très bonnes choses, des gens qui vraiment la mettent sur un piédestal. Et ça a un peu tendance à me... J'évite de lire quelque chose quand je suis dans l'effervescence de j'ai entendu tellement de trucs trop bien, parce que bah souvent c'est pas juste par rapport au dans le sens, enfin c'est injuste que je mette des fausses attentes sur des attentes disproportionnées sur un livre, un film ou quoi, et je me rends compte je suis très très vite influencée, et j'ai beaucoup de mal
approcher quelque chose de manière neutre. Et donc j'ai laissé passer un moment avant de le lire, et là je me suis dit, tiens, je sais pas pourquoi, mais ça m'a pris. J'étais entre deux trucs, de un peu de fantasy, un petit peu plus, bah, fantasy, très fantasy. Je me suis dit, tiens, je me sens un peu de la bonne humeur. Et j'avais pas forcément notion de quoi ça parlait. Je savais que c'était une romance, alors pas dans le genre de la romance tel qu'il est codifié. C'est pas du tout le même ton. En fait, c'est pas un drame non plus, mais c'est pas souvent quand on, moi, quand je lis de la romance ou quand je regarde une comédie romantique, il y a un peu ce côté, oh voilà, j'espère que vous allez vous mettre ensemble, allez, c'est trop mignon, machin. Non, là, c'est plutôt, bon, j'aimerais bien que vous vous fassiez pas trop de mal là, quand même. Pas que c'est angoissant. C'est mélancolique, voilà, c'est ça le mot que je cherche. C'est une analyse, c'est pas tellement une étude des personnages, un peu, mais c'est surtout une étude de leurs relations. Et il y a, voilà, voilà, c'est mélancolique. Et du coup, il y a le côté parfois un peu réconfortant de la mélancolie, dans le sens où, ben, c'est très dans le détail des relations humaines et des. Il y a un côté un peu naturaliste, et du coup ça a ce côté réconfortant, mais en même temps un peu doucereux, triste. Donc on suit deux personnages au début du roman, ils sont au lycée, maintenant ils sont jeunes adultes, je suis à la moitié, j'ai dit je crois. Et donc Marianne et Connell. Un des trucs que je savais, c'est que il y a, comme souvent chez les auteurs de littérature contemporaine qui ont des prétentions à être vraiment de la littérature, bon, c'est pas, elle a rien demandé, hein, c'est l'ironie, mais c'est un peu la façon dont les gens interprètent ces récits, il y a souvent un gimmick d'écriture. Et là, en l'occurrence, ce que je savais, c'est qu'elle n'utilise pas de guillemets pour les dialogues. C'est un peu le truc dont tout le monde parle sur cette autrice. Alors, la codification des dialogues en anglais est pas tout à fait la même qu'en français, mais il y a quand même des guillemets, normalement. Ou au moins des tirets. Enfin, il y a quelque chose, il y a une marque de dialogue. Et elles n'ont rien à faire. Parfois, elle va même pas à la ligne. Et ça fait que, bah, on ne sait pas trop. Parfois, il y a un doute sur est-ce que cette phrase a été dite ou est-ce que c'est juste une pensée d'un personnage. Sans que ce soit, c'est pas non plus le flux de conscience. C'est pas à ce point-là. Moi, j'aime bien les flux de conscience. C'est pas un truc qui me dérange. En toute proportion gardée. Tiens, en parlant d'irlandais d'ailleurs, sans aller jusqu'à James Joyce, c'est pas un truc qui me dérange. Là, c'est pas ça. C'est juste que parfois, voilà, il y a des phrases. On est dans la tête des deux personnages. On alterne entre l'un et l'autre. Et parfois, il y a des phrases, on se dit, mais tu l'as dit ça? Je suis pas sûre. Et je savais pas trop ce que j'allais en penser. Il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui trouvent que c'est du génie. Moi, ça, c'est effectivement, c'est perturbant, mais c'est fait exprès en fait, je trouve. Ça m'éblouit pas plus que ça, mais un des nœud principal dans leur relation, c'est les problèmes de communication. Et notamment, il y a un passage que je viens de lire récemment où il y a un truc qui n'a pas été dit. Et on s'aperçoit plus tard que ça. Et en fait, il y a un. Le truc, c'est qu'ils sont ensemble, puis ils sont plus ensemble, puis ils sont ensemble, puis ils sont plus ensemble. Et il y a des sauts dans le temps, et à un moment, souvent, en fait, c'est. On rencontre, ah là, vous êtes plus ensemble, pourquoi? Et souvent, c'est parce que. Quand on est du point de vue de l'un ou de l'autre, on se dit à l'autre, bah, elle est juste partie, en fait, et voilà, c'est fini. Et, enfin, c'est fini temporairement. Et en fait, un peu plus tard, on va se rendre compte que on va avoir le point de vue de l'autre personne, et on va se dire, ah mais non, en fait, il n'est pas parti. C'est juste qu'il n'a pas dit la raison de qu'est-ce qui se passait, en fait. Et sans que c'est pas frustrant. Voilà, je veux pas vous donner l'impression que c'est des pinailleries d'adolescents. C'est pas frustrant, notamment parce qu'il y a des notions. Il y a un petit commentaire social, les problèmes de classe, parce que les deux, Marianne appartient à une famille très riche, et d'ailleurs insupportable, sale gosse. un peu. Il y a quand même parfois des. Mais c'est très. C'est pas agaçant de la suivre parce que on sent que c'est un peu voilà, c'est un peu caricatural, c'est fait exprès quoi.
elle a un peu parfois des avis sur le travail, dans le sens, voilà, elle a toute une discussion au téléphone avec une de ses amies, dans le sens où, mais pourquoi tu travailles vraiment? C'est pas une perte de temps, tu vas jamais récupérer ce temps dans ta vie, tout ça pour un truc aussi banal que de l'argent. Et de l'autre côté, on a Connell, donc le garçon, qui est le jeune homme, qui lui est d'une classe très populaire. D'ailleurs, au début du roman, en fait, comment est-ce qu'ils se connaissent? Certes, ils sont au même lycée, mais le truc, c'est que la mère de Connell est la femme de ménage de la famille de Marianne. Donc voilà. Il y a ce truc. Il y a aussi d'autres conflits, plutôt de personnalité, dans le sens où Marianne est quelqu'un qui est pas très à l'aise socialement. Et donc il y a le revers de la médaille, dans le sens où Connell, lui, au contraire, est très peut être très populaire et a une vie sociale beaucoup plus facile. Enfin, voilà. Donc il y a des réflexions comme ça sociales qui sont assez intéressantes. Donc voilà, c'est sympa. Il faut quand même qu'il se passe quelque chose à un moment. Ça se lit vite. C'est assez prenant. Mais il se passe un peu rien. Et moi, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose. Il y a des allusions qui sont faites à des sujets un petit peu plus difficiles. Ouais, pour l'instant, oui. Pas ébloui, mais sympa. Voilà. C'est utile comme. Comme ma vie lecture, j'espère que vous appréciez. Bref, je vais finir aujourd'hui mon écharpe, mon prototype Alda, donc mon écharpe en jacquard. Mon pull pony est en train de sécher, est en bonne voie pour sécher. Vraiment, j'ai enlevé toute l'eau possible et je pense qu'il va être sec à temps pour que je puisse faire des photos. Il devrait faire plutôt beau, là, il fait très beau. Il devrait faire plutôt beau toute la semaine. Donc je pense que je pourrais faire des photos sans souci pour avoir mon appel au test comme prévu. Et je vais finir mon écharpe en jacquard et je vais donc pouvoir commencer un nouveau prototype. Ça va être des chaussettes. On va être très chaussettes là, dans les prochains jours. Sec et photographié. Je suis super contente du résultat. C'est la coupe que je voulais en mieux que ce que je pensais que j'arriverais à faire. Et je suis vraiment contente d'avoir persisté sur l'alternance des écheveaux parce que ça aurait été vraiment dommage de ne pas faire justice à la couleur et au travail de teinture de Juliette. Je suis
Ravie. Je voulais vous montrer mon nouveau prototype. Où est Momo? C'est marrant parce que Marius est juste là et il a dit oh, je vais être silencieux et puis voilà. Voilà ce qui se passe. J'ai commencé un nouveau modèle et donc j'ai plein d'idées de chaussettes en jacquard pour l'année prochaine. Va voir Marius. Et ça, c'est le premier que je voulais faire. C'est le motif de coquillage qu'il y a dans mon col Ithaca. C'est un des motifs. Et j'aime énormément ce motif. C'est un nautile à la base. Donc j'ai enlevé les tentacules et que j'ai un peu réarrangé. J'avais dessiné la grille en cet été. Et voilà, là j'ai commencé le modèle et je me dis toujours, quand je fais des chaussettes et des chaussettes en jacquard, je me dis toujours, oui ça va être facile, parce que c'est un plus petit projet, il n'y a pas forcément un très gros travail de gradation à faire, même si un petit peu quand même, parce que là j'avais déjà fait les grilles pour toutes les tailles. Si, si, hein. J'ai quand même dû pas mal bidouiller. En fait, il y a plein de choses auxquelles je pense pas forcément quand je fais le modèle dans l'abstrait, mais au moment de le tricoter, ben, il y a des trucs qui apparaissent. Donc, le premier truc, c'est au niveau du placement du motif. Est-ce que je fais un motif qui fait tout le tour de la chaussette ou est-ce que je fais deux panneaux, un pour l'avant, un pour l'arrière? Vous voyez que j'ai choisi de faire un pour l'avant, un pour l'arrière et d'avoir une séparation ici avec deux mailles dans le coloris de fond. J'aime bien quand les motifs font tout le tour, mais le souci c'est que c'est très limitant si c'est des gros motifs, comme c'est le cas ici. Et on aura forcément une démarcation au début du rang qui n'est pas évitable hein, sur du jacquard, surtout avec les pointillés ici, ça aurait été super visible. En fait, soit j'aurais eu la démarcation sur les pointillés, soit pour quand même avoir le motif bien placé sur le devant de la chaussette, j'aurais dû avoir une démarcation sur l'arrière en plein milieu du dessin. Je voulais pas changer la position des coquilles, je trouve très, très sympa comme ça. Donc j'ai fait le choix de faire un panneau devant, un panneau derrière et le côté de la chaussette sera comme ça. Et finalement c'est pas plus mal parce que je trouve que ça fait un bon rappel avec les rayures qu'il y a dans les côtes. J'ai pas mal hésité, j'avais envie de faire des rayures dans les côtes. Mais j'avais un peu peur que ça jure, que ça fasse un peu trop sportswear. Et finalement, ça va, j'aime bien. Évidemment, on n'est pas obligé de les faire. Le deuxième truc auquel j'avais pas pensé et pour lequel il a fallu que je revasse plein de grilles, c'est donc la répétition du motif, en fait, elle est de là à là. Vous voyez? Parce que quand on finit un coquillage, on en commence un deuxième. Et sauf que ben, quand on commence la chaussette, on aurait eu ici la fin. Juste la fin du coquillage ici. Je trouvais ça un peu dommage d'avoir un motif coupé ici sur la jambe. Donc j'ai dû refaire des grilles où juste pour le début en fait de la chaussette où on a juste le travail de pointillé et un coquillage complet, etc., etc. Je pourrais pas faire pareil pour la fin, en fait juste avant la pointe du pied. Enfin j'aurais pu, mais en fait ça aurait été très limitant au niveau de la taille. Puisqu'il fallait s'arrêter à un endroit précis du diagramme, du coup pour que je puisse vous dire, eh ben maintenant vous passez au diagramme final. Et ça fait que ben la différence d'un bon point du diagramme à un autre, c'est 3 cm. C'est énorme. Donc ça veut dire que les gens auraient tricoté leurs pieds de chaussettes potentiellement 3 cm plus petits ou 3 cm plus longs que ce dont ils auraient vraiment besoin juste pour avoir la bonne finition. Sauf que c'est énorme sur un pied de chaussette. Et l'autre truc, c'est que les instructions auraient dû être formulées de telle sorte à ce qu'il faille s'arrêter du coup 8 cm avant la pointe, ce qui est beaucoup et c'est un peu difficile à jauger. Donc c'est pas grave, sur la fin de la chaussette, je trouve que c'est pas trop gênant au niveau de la pointe, bah, le motif sera coupé. Alors idéalement, il faut s'arrêter en fait après un coquillage plein et donc le motif sera comme ça, coupé au niveau de la pointe. Voilà. Pour les petites
petite décision esthétique que j'ai pris. J'ai fait la jambe, là je vais faire mon talon, je vais faire un talon avant raccourci, parce que c'est plus simple. Voilà. On n'y pense pas forcément, mais quand on fait des... Et là je pense aux autres idées de modèles que j'ai, ça va être encore pire. Mais je pense que je peux me débrouiller à faire quelque chose d'un peu moins contraignant. Mais quand on fait des grands motifs de chaussettes en jacquard comme ça, pour moi c'est vraiment important de quand même laisser la liberté de la taille, parce que on est déjà assez... Je pense que les gens, quand ils font des chaussettes en jacquard, il y a déjà pas une difficulté, mais un truc à passer pour trouver la bonne circonférence. Alors si en plus le patron est contraignant en termes de pointure, de longueur de pied, ben c'est dommage. J'utilise la Mélène White de Lana Grossa. Alors ils ont dans la gamme Mélène White, qui est leur gamme de laine à chaussettes, il y a 1000 variantes. Ça c'est la Mélène White Merino extra fine. Donc je sais plus si c'est 4, quel est le pourcentage, mais c'est du Merino nylon. Et dans ce bleu et ce vert, décidément on est très vert en ce moment. Et je l'aime bien. Elle est, du coup, comme c'est du Merino, c'est plus doux que la Mélène White classique. Mais c'est pas non plus trop lisse. Elle est un peu plus gonflante que la Arweta, je trouve. Et du coup, pour du jacquard, ça fonctionne très très bien. Voilà. Je voulais vous faire une petite sélection des patrons que j'ai repérés cette semaine. C'est quelque chose que j'ai fait dans les vlogs d'avril aussi, complètement inspiré évidemment de ce que fait Miss Manu Naturel, qui, si elle passe par là, j'ai une forte pensée et beaucoup, beaucoup de soutien pour toi Emmanuel. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 patrons que j'ai repérés cette semaine qui sont sortis et qui me plaisent beaucoup. Le premier, c'est le Block Parade Sweater de Tina Tse, qui est un patron à effet patchwork avec des, en fait, plein de blocs de couleurs et de textures différents. En niveau texture, c'est du jersey, du point mousse et des lignes de rayures avec des mailles en verre un petit peu plus espacées. Je le trouve très très sympa. Le patron existe en fait sous forme de pull sans manche et de pull. C'est un pull à col rond. C'est une manche montée, donc c'est plutôt sympa. On le tricote à plat forcément, puisqu'on va faire de l'intarsia. Tina Tse, elle a des patrons assez ingénieux, donc ça va être un petit peu quelque chose de modulaire. C'est très inclusif, ça va des tailles. Alors je pense que c'est là, c'est pour convenir à un tour de patron. Je vérifie. Alors, c'est les tailles du pull fini qui vont de 80 à 162 cm et il faut assez peu d'aisance pour des manches montées, toujours hein, 5-10 maximum. Le patron, vous pouvez voir la page sur Ravelry, je vais vous mettre le lien dans la description, mais ça s'achète sur le site directement de Tina Tse. Et il se tricote en DK. Un échantillon de 20,5 mailles, donc même les fils qui sont un peu à cheval DK worsted, ça devrait pouvoir le faire. Je vous conseille plutôt par contre d'avoir un rendu un peu souple pour quelque chose comme ça en bloc avec des manches montées. Mais je trouve très sympa, c'est chouette d'avoir les deux options. Et voilà, c'est un pull qui peut être aussi original et aussi minimaliste qu'on le veut. Je pense que juste aussi l'effet texture dans un coloris uni, ça peut être assez sympa. Voilà, et sinon on s'amuse avec les couleurs. Modèle suivant, alors il y a pas, vous allez voir, il y a pas mal d'intarsia. Je sais pas pourquoi. Il y a un regain pour l'intarsia en ce moment. Le modèle suivant, c'est le châle Chemique de Anna Huseman, qui est connue pour faire pas mal de modèles d'intarsia. Moi, j'ai prévu de me tricoter une de ses écharpes. Et ça, c'est un petit châle triangulaire qui a l'air de se tricoter de pointe à pointe, qui utilise jusqu'à 700 mètres de fil DK. Après, c'est un châle. Faites ce que vous voulez. Ça se tricote en point mousse et donc vous avez des blocs d'intarsia dans des formes un petit peu géométriques, un petit peu voilà organiques. Je trouve ça très très sympa. Ça reste, à mon sens, relativement accessible pour un premier projet d'intarsia, puisque à la pointe du châle, donc la plus grande largeur, vous n'avez que 4 couleurs différentes. Donc tout au plus 4 pelotes à tenir. C'est ça qu'il faut regarder quand vous voulez démarrer l'intarsia, c'est combien de pelotes vous avez à tenir. Parce que la technique, il n'y a rien à faire. Littéralement, c'est pas difficile. C'est une question de gestion du nombre de pelotes que vous avez. Et
Voilà, donc c'est, faut regarder combien sur un rang vous allez avoir de couleurs différentes. Et c'est ça qui va vous dire est-ce que ça va être plus ou moins fastidieux. Là, 4, juste sur 4 zones en fait. Et sinon, c'est 3 et 2 sur la majorité du châle. Je le trouve très très sympa. Sympa pour utiliser ses restes aussi. C'est vraiment chouette. Il mesure, il est quand même assez grand, hein, 188 cm sur 40. Elle a utilisé 9 couleurs en tout. Évidemment, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et elle précise qu'elle a fait une grille noir et blanc qu'on peut colorer soi-même si on veut s'amuser. Voilà, et le patron est disponible en anglais à 7,50 €. C'est un patron qui en fait était dans un magazine qui est publié par John Arbon. John Arbon, qui est une filature et une marque de laine britannique qui publie parfois des modèles dans un petit magazine annuel. Et là, en fait, la créatrice l'a ressorti individuellement sur la galerie. Modèle suivant, un t-shirt, le Off the Rails Tee de Nicole Thornson, qui est un petit t-shirt en fingering assez souple, puisque l'échantillon est assez large. C'est en côte plate à 18 mailles sur 10 cm. Donc, même si vous avez un fil sport, il y a beaucoup de fils estivaux qui sont plutôt d'épaisseur sport. Je pense que ça fonctionnerait pas mal. C'est un petit t-shirt avec manches montées avec des petits manches ronds, une encolure qui est un bon entre-deux, je trouve assez sympa, avec des finitions. On dirait que sur le col c'est un accord et sur le reste du pull c'est un peu accru. Le patron est gradé pour un tour de poitrine, pour convenir à un tour de poitrine de 71 à 158 cm. Il y a pas mal d'aisance positive entre 15 et 20. Vous avez les mesures qui sont bien disponibles dans le patron si vous voulez une aisance un petit peu différente. Et voilà, je trouve très sympa. Je trouve que le motif de côte rend bien, même sur des fils un petit peu à speckles. Et voilà, il m'a l'air plutôt bien coupé. Il faut entre 567 et 1300 mètres de fil. Et voilà, le patron est disponible en anglais au prix de 8,31 €. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler du nouveau pull d'Irene Lynn? Je vous préviens, ça devient mon projet retraite. Genre, je vais avoir une retraite. Tricoter tous les modèles d'Irene Lynn. À un moment, voilà, ça va me prendre. Je vais dire non, là je fais voilà, une année sabbatique. Tiens, ça peut-être que je pourrais faire. Je vais faire une année sabbatique ou 15 années sabbatiques, hein, vu le nombre de ces modèles que j'ai envie de faire. Et mon projet, ça va être tricoter. C'est pas qu'il aime pas Marius, c'est que il y a vraiment un humain de. En anglais, il y a une petite blague, c'est que les chats, ils ont leur humain et puis ils ont le spare human, donc l'humain de secours quand l'autre n'est pas disponible. Bref, j'aime énormément ce qu'elle fait. Et là, son dernier pull, le pull Nia. C'est un pull avec de la dentelle, mais c'est pas très. Ça reste assez raisonnable parce que vous avez pas mal de lignes de textures plus simples, vous avez des fausses torsades. C'est, je pense, un bon. Voilà, c'est un pull qui est tout texturé, mais pas trop trop compliqué. Ça se tricote en worsted. Alors, ceci dit, elle a fait aussi une version en Ulysse. Non, pas en Ulysse, mais en tenant ensemble un fil fingering fin et un fil de dentelle mohair. Et pourquoi j'ai pensé à la Ulysse? Parce que son pull qu'elle a sorti avant, pour le coup, elle l'a fait aussi en duo. On peut le tricoter soit en Gilia, soit en Ulysse. J'ai remarqué que ces derniers modèles, elle propose souvent deux versions avec deux épaisseurs de fil différents, mais qui sont tricotés au même échantillon. Et c'est juste que ça vous donne soit un pull un petit peu plus chaud, un petit peu plus dense, soit quelque chose de plus fluide et plus léger. Je trouve ça assez sympa de montrer en fait la flexibilité que vous avez un échantillon et que vous pouvez utiliser différentes épaisseurs de fil pour cet échantillon. Ça va vous donner des tricots différents et c'est à vous de choisir le résultat que vous voulez. Il se tricote de haut en bas, en plus c'est chouette, c'est un pull à épaule tombante avec l'épaule déportée sur l'arrière. Le patron est disponible en anglais, japonais et coréen au prix de 9,50 € et il y a 4 tailles parce que c'est un truc qui est très oversize. Elle le porte avec 40 cm d'aisance positive. Je trouve ça très joli. Je trouve que ça tombe très bien sur elle comme ça. Et du coup, les tailles. Mais.
Les tailles. Il prend ma poitrine comme un punching ball. Arrête. Les tailles vont de 122 à 175 cm. Donc avec les anses recommandées, ça va pour un tour de poitrine de 80 à 135 cm. Et voilà, encore une fois, c'est 40 cm d'aisance. Donc voilà, généralement, les gens aiment plutôt rester autour de 20. Moi, j'aime bien beaucoup, beaucoup d'aisance. Donc si je le fais, je le ferai certainement avec les anses recommandées. Mais il y a pas mal de flexibilité. Et le dernier, c'est un modèle de Kedry, le pied cardigan, qui est un modèle en intarsien, encore une fois. Je crois, enfin, ou alors il est cousu, mais non, il n'est pas cousu, donc il est en intarsien. C'est un gilet col V et voltomante avec la patte de boutonnage en jersey double et qui a des rayures décalées en fait en couleur. Et quand vous regardez les photos sur Ravelry, vous allez voir une photo du dos. Le dos correspond en fait au devant qui est noir, blanc, noir. Et c'est juste, vous avez un autre devant où c'est tout blanc en haut et juste une raie noire en bas. Je trouve ça très sympa. Là aussi, très accessible niveau intarsia si vous n'en avez jamais fait. En plus, ça se tricote en bulky. Donc, échantillon de 15 mailles sur 10 cm. Je me le serais tricoté si c'était pas de la bulky. Pour moi, c'est trop épais. Elle a utilisé... Qu'est-ce qu'elle a utilisé? Elle a utilisé de la Lamana. Un fil worsted plus... Un fil dentelle, ça fait non, un fil bulky plus un fil dentelle déjà. Et la circonférence du gilet fini, ça va de 112 à 176 cm. Voilà, je le trouve très chouette, très élégant. Elle fait pas mal de trucs élégants. Je trouve que j'aime bien ces modèles et je trouve que c'est un bon entre-deux entre quelque chose qui est minimaliste mais pas non plus trop passe-partout. C'est marrant parce que moi j'ai un croquis. J'avais fait un croquis il y a des mois d'un modèle qui est un peu similaire, même si moi on n'est pas du tout dans le minimalisme. Parce que j'ai envie de mettre du jacquard, etc. Mais de jouer justement sur l'intarsia. Aussi comme ça sur un col V. Et c'est pas le seul modèle un peu comme ça de gilet où j'ai envie de jouer avec des blocs d'intarsia. J'espère pouvoir en faire bientôt dans mon planning surchargé, n'est-ce pas? Et donc le patron est disponible en anglais au prix de 7,72 €. Voilà pour cette petite sélection et je vais clôturer ce vlogmas ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dans le prochain épisode, on commencera vraiment un petit peu les festivités. Enfin, les festivités... Non, tranquille. voilà, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous souhaite une belle après-midi, fin de journée, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut !